Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment recevoir des produits Amazon gratuitement. Donc, il faut savoir que sur Amazon, pour que les produits soient bien référencés, il faut qu'il y ait des commentaires dessus. Donc, certains vendeurs, quand ils lancent un produit sur Amazon, envoient des produits gratuitement à des personnes contre des commentaires. Donc, on va profiter de ça. Donc, je vais vous faire voir comment trouver les vendeurs qui proposent ça et recevoir les produits gratuitement. Donc il y a plusieurs méthodes, je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc la première, c'est Amazon. Donc dans la barre de recherche, vous tapez France Review Amazon ou Avis Amazon France, enfin un truc comme ça. Vous faites recherche, vous allez dans l'onglet groupe, et là vous aurez pas mal de groupes où ils proposent ça. Donc vous en rejoignez un ou plusieurs, peu importe. Donc prenez bien Amazon France, à moins que vous ayez un compte sur Amazon.com. Donc j'en ai rejoint un par exemple ici. Donc là, les vendeurs viennent sur le groupe en fait et proposent leurs produits. Par exemple là, si vous voulez une bouilloire gratuitement, hop, vous contactez, vous faites contacter le vendeur là. Enfin, vous lui envoyez un message privé. Donc là, pareil pour ça. Enfin, vous pouvez vraiment trouver pas mal de choses. Donc, le vendeur va vous envoyer un code promo, souvent. Par exemple, si l'objet coûte 5 euros, vous allez recevoir un code promo de 5 euros et vous pourrez commander. Ou alors, vous pourrez recevoir l'argent par PayPal. Enfin, ça dépend de l'arrangement que vous aurez avec le vendeur. Donc, il y a vraiment de tout. Il y a de l'électronique, des vêtements, des articles de bricolage, de cuisine. Vous trouverez vraiment tout. Bon, pas trop des trucs à 100 euros. C'est vraiment, souvent c'est des petits trucs à 5, 20 euros. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc, en échange, ils voudront que vous laissiez un avis sur Amazon après avoir reçu l'objet. Donc, vous faites un avis qui est bien avec photo, 2-3 lignes. Et c'est bon. Donc souvent aussi, ils vont vous demander votre lien de profil Amazon. Donc c'est pour voir si vous n'avez pas été bloqué par Amazon, enfin que vos commentaires sont pas bloqués. Parce que certaines personnes abusent, enfin ils laissent 30 commentaires par jour et se font bloquer. Donc pour recevoir votre lien, je vous mets, enfin pour avoir l'adresse de votre profil, je vous mets le lien dans la description. Donc vous arrivez sur cette page-là, vous faites découvrez ce que voient les autres personnes et vous copiez le lien qu'il y a dans la barre pour leur envoyer. Donc ensuite, ça c'était pour Facebook. Donc après il y a un autre site, c'est testzone.com. Donc là c'est le même principe, les vendeurs mettent des articles. Là c'est pas toujours gratuit. Par exemple là on voit le prix classique c'est 9 euros. Et le prix pour les testeurs c'est 0 euros, donc gratuit. Mais quelquefois c'est des réductions. Par exemple là, les 13 euros c'est 5 euros. Donc c'est pareil, vous avez pas mal de choix. La batterie externe pour gratuitement, des plots gratuits, des casques pour gamers. Et tout ça c'est juste en échange d'un commentaire. Bracelet connecté. Donc ça c'est gratuit. Vous inscrivez sur le site, vous contactez les vendeurs. Bon, par contre les vendeurs reçoivent vraiment beaucoup d'offres sur ce site-là. Du coup c'est peut-être un peu plus galère. Souvent les vendeurs, par exemple, on offre 5 gratuits et c'est tout, ils s'arrêtent là. Et moi j'utilise quelquefois en tant que vendeur. Et j'ai une fois sur ce site-là, j'ai reçu une trentaine en quelques heures de personnes qui voulaient le tester, alors que j'en avais que 5 à proposer. Donc sur Facebook, vous avez peut-être plus de chances d'arriver les premiers. Il y a beaucoup moins de monde qui va sauter sur votre offre, c'est un peu moins connu. Donc vous avez plus de chances de pouvoir le tester gratuitement. Ensuite, troisième solution pour recevoir des objets gratuits, là c'est directement de contacter les vendeurs sur Amazon. Donc par exemple là, j'ai cliqué sur un produit, je vois qu'il a que 5 commentaires.
Donc ouais, il faut faire ça avec les produits qui n'ont pas beaucoup de commentaires. Donc là, vous voyez. Alors attendez, c'est où? Ah oui, là. Vous voyez le nom du vendeur, de Finity. Non, c'est pas ça. Ah là, vendu par Finity EU. Et là, vous faites poser une question et vous leur expliquez que vous pouvez leur laisser un commentaire en échange du produit gratuitement. Bon, ça va pas marcher à tous les coups, mais ça peut fonctionner. Ensuite, alors, il faut savoir que souvent, les vendeurs, enfin, quand leurs produits sont stockés chez Amazon, demandent aux testeurs d'avoir un compte premium. Donc, pour ceux qui n'ont pas de compte premium, je vais vous faire voir comment en avoir un gratuitement. Enfin, je vais vous envoyer un lien plutôt. Donc, pour ceux qui ont plus de 25 ans, vous avez le droit à un mois gratuit en utilisant le lien qui est sous la description. Et ceux qui ont entre 18 et 25 ans, vous avez 6 mois gratuits, carrément. Donc, il faut juste s'inscrire. À la fin des 6 mois, vous désinscrivez avant de payer. Enfin, ou vous continuez, peu importe. Et vous avez 6 mois gratuits. Si vous avez moins de 25 ans et plus de 25 ans, vous avez un mois gratuit. Donc vous pouvez déjà commander pas mal d'objets gratuitement. Recevoir pas mal de choses. Voilà, c'était tout. Donc je vous offre aussi un e-book dans la description, 7 idées de business à monter sur Internet. Donc c'est gratuit, vous avez juste à laisser votre adresse email et vous recevez le e-book. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt.